Allez, on enchaîne directement avec recherche géologique triangulation. Alors, comme prévu, le premier examen autour de la carrière confirme que les recherches progressent dans la bonne direction. Prochaine étape consisterait à effectuer une autre triangulation complète en recherchant et en examinant deux emplacements plus appropriés. Donc, on a 952 mètres et 782. Alors, c'est pas ce que je voulais, merci. Alors, 782, là honnêtement, je sais absolument plus où c'est. Je crois qu'il y en a un là-bas. Peut-être, je sais plus. 782 et 952. À mon avis, ils doivent être en bas là. Hein. Donc, je vais être obligé de. On va continuer la route, on va partir par là, on va peut-être descendre par ici. Et puis on va continuer de descendre et puis on verra où est-ce qu'on en sera ici. Hein. Il y en a pas un là-bas. Hein. Ah, 782. Ah, il peut y en avoir un là-bas. Hein. Après, je peux rejoindre par là s'il faut. Bon, on va déjà se rapprocher un petit peu du côté droit là. On va déjà aller là-bas, puis on verra ce que ça donne. On verra ce qu'il me dit. On va déjà faire ça. 18h, ouais, on va mettre la journée. C'est parti. Bon, normalement, j'ai un peu d'essence. Ça devrait potentiellement suffire. Je crois qu'il y a ma zone de réparation où il y a de l'essence maintenant. Donc, on est parti pour faire ça. On va voir. Alors, 882, 740, 734. Les deux se rapprochent. Ok, les deux se rapprochent, donc potentiellement. Là, je suis en train de remonter en plus, ça c'est assez étonnant et. Ça a pas l'air d'augmenter les trajets. 161, 160, 59, 820. Les deux sont en train de réduire. Hein. Alors que je vais plutôt à l'ouest, voire carrément au nord. Donc peut-être qu'ils sont pas au sud ceux-là. Hein. Je crois que j'en ai une autre de mission sismique. Ouais, j'aurai une autre sismique après. 134, 610. Les deux continuent de bouger. Hein. 720, 718, 582. Les deux continuent de bouger. Hein. Alors, si c'était ici. C'est plus ici. Hein. C'est plus ici. Donc potentiellement, moi je disais qu'il y en avait une là-bas, 420, 571. Ah, je sais plus. Je sais pas s'il n'y en a pas une là-haut, hein, allez voir. 806, ouais, ça se trouve, il y en a une là-haut. Hein. Il parle de la carrière. Hein. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus, je vais passer chercher de l'essence et réparer. Je vais peut-être continuer par là-bas, et puis on va voir, vu que ça va redescendre, ça va me dire si c'est plus par là-bas ou plus là-haut. Je sais plus s'il n'y en a pas dans le coin. Sachant que. Je sais plus quand est-ce qu'on débloque le. Tatata. Perdu dans les bois. Perdu dans les bois, c'est le Dan. J'ai déjà débloqué. Donc je ne sais pas, c'est pas celle-là. Donc c'était peut-être celle d'avant d'ailleurs. Allez, on continue d'avancer, on verra. On verra ce que ça donne. On va redescendre. Si c'est au nord, on va vite le voir. 715, ça évolue très très peu. Ah, ça remonte. Le 715 remonte. Non, ça redescend. 507, 505, 190, 84. Les deux continuent de baisser. On va aller chercher de la réparation et de l'essence pour être sûr d'atteindre mon objectif. Ok. Ouais. Là, j'avoue que je suis perdu. Là, je sais absolument plus où est-ce qu'ils sont ces points-là. Bon, j'ai pas fait de petit visuel pour le premier. Je peux peut-être éventuellement en mettre un ici, même si ça c'est un petit peu tard. J'en referai un à la fin au pire. Ouais. Sinon je change rien. Je ferai à la fin pour remontrer où est-ce que c'était. Alors 618, 500, 500. Ah, ça remonte le 500. Le 600 diminue. Par contre, le 500 remonte. Non, il redescend. 587, 506. Ah. Le 500 remonte. Enfin, le 500, celui du bas remonte.
559, 513. Donc le premier point, il était juste ici. Juste ici, même juste là en fait. Juste là, le premier, il était là. Alors, 560, 500. J'ai pas beaucoup évolué au niveau du deuxième point. Par contre, le deuxième, j'étais à 900. J'étais à 900, 700, je crois. J'ai gagné 200 mètres en venant là. Pourtant, j'ai fait juste une diagonale là. Ça veut peut-être dire qu'il y en a qui sont là-bas. 560. Alors, c'est très possible qu'il y en ait un là-haut. C'est très possible qu'il y en ait un par là. Non, non, il n'a pas par là. C'est vrai que je peux laisser appuyer. 500 mètres. 500 mètres, qu'est-ce qu'on a? 500 mètres, on en est là. Ouais, là, il peut y en avoir un. Hein. Il peut y en avoir un là-dedans. Je me rappelle que je m'étais foutu dans les arbres là-bas. 500. C'était pas là-bas, clairement. Et 560, ça donne quoi? C'était clairement pas là-bas parce que j'étais trop proche. 560, c'est encore trop loin. Il pourrait y avoir un 560 là-bas. Et le 500, mais par contre, je sais pas du tout. Je pourrais essayer de passer par là-bas. Je sais pas du tout où ils sont. À mon avis, ils sont par là-bas, mais. À moins qu'il y en ait un qui soit au sud. Je suis en train de remonter, je crois que je m'éloigne d'un point, donc. 63, 66, 70. Le premier point, je suis en train de m'éloigner. Donc il y a un 572, 573. Je sais pas. Je suis à 480, à mon avis, il y en a un là-haut, hein, donc je vais aller là-haut. Puis je redescendrai après. Je reviendrai chercher de l'essence si besoin. Je vais suivre le 480 déjà. Je ne sais plus où il est. Je suis perdu. 456, 448, 442, tout va bien. Je m'en rapproche, par contre, de l'autre, je m'en éloigne énormément. Cinq, 403. Ah, là ça va. 392, 91, 90. Si ça bouge encore un peu, là ça devrait remonter beaucoup plus vite. 119, 115. Ouais, je fais du 4-5 mètres d'un coup là. 102, 57. Par contre, l'autre va carrément regrimper. C'est un beau chemin de merde par contre. Hein. 310, ouais, je suis pas au bon endroit, hein, là où j'ai marqué mon point. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long de ce côté. Allez, vite les rondins, ça me ferait gagner un peu de vitesse et un peu de temps. Ah, ça m'emmerde, je m'en souviens plus du tout, mais bon, pour moi c'est le retour de la découverte. Alors, 217, 213, 208, 203, 198, ça bouge toujours, il n'y a pas de souci. 119, 174, 169. En dessous des 150. Pourquoi est-ce que tu galères sans déconner? On est sur du sec et tes pieds au plancher avec AWD, bloc diff et vitesse lente. Alors là, je suis en train de me rééloigner. Je suis en train de me rééloigner parce qu'à mon avis, c'est bien par là. Hein.
Ouais, ça va être là-dedans. Ça va être là-dedans, c'est sûr et certain. Sûr et certain que c'est dans ce chemin de merde. Là où il y a plein d'arbres en plus et où je risque de me... de m'embourber quelque chose de bien. Ouais. C'est un peu à contresens, mais... contre-jour, pardon. Complètement à contre-jour. Ouais, ça représente pas grand-chose, hein. On sera peut-être en photo de l'autre sens, justement. On verra lequel on a le bon sens. On va aller se foutre dans les arbres, là. Dans les pieds de sapin et tout ça. C'est pas bon. Ça y est, je vois des pieds d'arbre par là. Il pop un peu des fois en plein milieu. Et là, avec ce que j'ai à l'arrière, là, la barre anti-encastrement, elle va se... Oh, il y en a un qui est apparu derrière moi, je crois. Voilà, on y est. Au moins, on l'a trouvé déjà. Ça, c'est bon. On va repartir. On peut accélérer toujours quand le truc n'est pas encore rangé. Ok, super, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est ici. Ça m'a l'air d'être bon. Ça va, j'ai réussi. L'autre fois, je m'étais encastré plus loin. Je suis resté vraiment dedans, complètement bloqué. Bien, ça c'est fait. Maintenant, 1035. Bon, on va pas trop chercher, hein. Faut que je redescende pour l'instant. C'est incroyable. C'est incroyable, il a pas voulu remonter sur le pont. C'est un truc de fou. Il a pas voulu remonter sur le pont, les roues gauches sont parties, elles ont glissé comme du plantafin. Et mon camion est complètement pété. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est incroyable. Yable. Le truc a glissé, il voulait plus remonter, c'était terminé. Donc mon camion est pété. Super, impeccable. Donc là, il faut que je réussisse à aller le chercher avec lui. Parce que le Zix, à mon avis, sera pas assez puissant. J'y crois pas. J'ai essayé de le remonter, je me suis dit c'est bon, il va y aller. Pas besoin de s'arrêter, de faire une marche arrière. Non, 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 non. Non, non, je vais pas y arriver, non, non. Je ne remonterai pas sur ta foutue, sur ton pont à la con, là. Je vais continuer de rouler sur le côté et hop, au revoir. Oh là là, j'y crois pas. Pour une petite mission qui est pas très longue, il faut que je me plante. C'est pas croyable. Ah, ça m'énerve. Surtout que les trajets là-dedans, ils sont lents. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah là 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 là. Il a fallu que je le plante.
Et je suis pas certain de comment ça va se passer pour le relever, hein. Limite, ce camion-là s'en sort mieux avec ses 8 roues, avec des pneus assez faibles quand même, on va dire, à côté de l'autre qui a des pneus énormes et 8 roues aussi. J'avais pas l'impression de m'en sortir beaucoup mieux. Voilà, c'est peut-être. J'y crois pas, il a fallu que je le retourne. Je l'ai mis de quelle couleur? Ah, je l'ai mis en militaire, j'ai cru que je l'ai mis en noir. Ah, je suis dégoûté. C'est pas possible. Je pensais tellement pas qu'il allait se crasher là-dedans. Bon, bah maintenant que j'ai mon camion là, je vais peut-être changer l'ordre de mes missions et puis la manière dont j'allais les faire. J'avais pas prévu de faire le. Ce qui me reste, ouais, il y avait quelques autres missions de dépannage. Parce que le Dan pour le mettre sur camion de dépannage, c'est pas possible. Bon, ça va, je vais t'arriver. Bon, la question c'est comment je le remonte. À mon avis, je vais être obligé de l'exploser dans les rochers, il va pas aimer du tout. Hein. En plus, faut une roue de secours, je crois pas que j'en ai sur moi. Ça a pas l'air. Ah, il est là, hein. Il est là, hein, le coco. Je pense qu'il va falloir que je le remonte, hein. En dégueulasse, mais. Oula. Ah oui, il remonte facile, hein. What the fuck? Easy. Ok. C'est vrai qu'il est léger, le KRS, mais quand même, peut-être pas à ce point. Je pensais pas. Ouais, c'est peut-être pas trop là que je voulais le choper, mais. Allez, accroche. Il veut pas. Hein. Allez. Merci beaucoup. Bon, je vais te caler sur le côté, puis je verrai ce que je fais avec toi ensuite. Faut que j'emmène l'autre de toute façon à la station-service, à la station de dépannage. C'est quelle roue qui a explosé là? Je sais pas trop pourquoi, mais. Ah, mais j'en ai une de roue de secours. Je peux même la réparer si je veux. Bon, c'est pas du tout la même, mais. Je voulais faire ma photo sur le pont. Pourtant, c'est large, hein. Qu'il pleut. Bon, on va réparer. Alors, on va réparer que la roue de secours. Hop, ah, elle disparaît même pas. Non, j'en ai deux. Non, vous déconnez. J'ai deux roues de secours alors qu'il n'y en a qu'une de visible. Et en plus, ça, c'est pas la bonne. D'accord. Bon, ok, on va rien dire. On va l'emmener à la réparation. De toute façon, c'est à côté de là où je devais aller. Essence plus réparation. On va continuer de descendre après. Ça, c'est vraiment l'accident con, ça m'énerve. Il s'en sortait bien jusque-là, j'avais pas trop grand-chose à lui dire. À part les explosions sur la route, mais ça, c'est pas de sa faute non plus.
Ouais, si, ils s'en sortent peut-être un peu mieux quand même que l'autre. Bientôt, Zimnegorsk, bientôt. J'ai hâte pour réparer le garage. La petite zone, j'aime beaucoup Zimnegorsk, quand même. Il y aura peut-être un ou deux défis, je crois, sur cette carte. Je sais plus, il y en a au moins un. Ah oui, non, il y en a deux depuis la zone de réparation en plus. Ouais, je sais plus trop où elles sont, mais ouais, il y en a au moins deux. Alors, il est où le truc de réparation, justement? On va les réparer parce qu'il a pris cher quand même. Alors, il manque une roue de secours. Je sais pas trop si elle va se recharger avec la zone de répa. Je sais plus comment ça marche. Le réapprovisionnement de la réparation sur le toit, tout ça, je sais plus qui fait quoi, si c'est uniquement dans les garages. En difficile, c'est avec certaines zones d'achat. Ce qui est pas trop mal, même si ça c'est mal foutu, mal pensé, trop contraignant et pas réaliste, ni fun. Ouais, j'ai déjà plus d'essence. De toute façon, il m'en faut, c'est obligatoire. Voilà, on va y être. C'est con, il marche pas mal, hein, ce petit KRS, mais consomme trop. Trop fragile, consomme trop. Alors, est-ce que ça va me redonner une roue de secours? Stock de réapprovisionnement, machin. C'est là la répa. Gestion cargaison. Non, je suis déjà passé dans la réparation. Je suis peut-être déjà passé dans la réparation. Deux roues de secours. Donc, j'ai déjà tout récupéré. Ouais, j'ai pas trop compris, mais ouais. Tout est ok. Alors, voyons voir par où je passe, moi. 640. 648. 648. On est là, 648. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose là-dedans. Hein. 648. Il pourrait très bien y avoir un truc là-dedans. Hein. On va passer là, là, là. Et puis on verra là-bas qu'est-ce qu'on fait. Ou alors je passe par là. C'est de la meilleure route par là. C'est de la meilleure route par là, c'est quand même mieux. Et puis à ce moment-là, je pourrais voir un petit peu plus ce qui se passe à cet endroit-là. Ouais, vas-y. Allez, let's go. Le dernier point. Et après, une dernière mission géologique avec un gros conteneur et ça sera bon. Je sais pas quel véhicule je vais prendre. Je sais même plus, je crois que je me suis. Ouais, je me suis rien marqué pour celui-là. Ah, il y a un vendeur de remorques. Ah oui, donc je pourrais. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai ma petite idée finalement qui commence à germer là. Ouais, je crois que j'ai une petite idée qui commence de germer un petit peu là. Je le savais, hein. Je le savais. Putain. Je me suis dit, je ralentis pas. Allez. 621, 624, ça diminue, mais pas beaucoup. Hein. Faut dire que je suis remonté un peu. Là, on va redescendre. 603. Ouais, pas mal. Ça avance bien.
408. Moins de 400, pas mal. Et on va s'arrêter quasiment à 300. Quasiment à 300 mètres. Qu'est-ce que ça donne 300 mètres? Ouh, ça sera pas ici. Hein. Vers le bateau? Non, c'est trop loin le bateau. Ou alors, faudrait que ce soit pas plus loin que ça. Il y en avait pas un là-dedans? Non, c'est trop près. Hein. Alors là, je sais pas. Faut que je continue pour voir si je m'éloigne. Si je m'éloigne, c'est que ça sera plus à droite, à gauche de la carte. 311, 310, 311, ça remonte. Ça remonte si je vais là-bas, donc c'est bien par là. Donc on va effectivement passer par ici. Et on verra après. Ouais, je sais plus du tout où il est celui-là non plus. Un l'autre, je m'en souvenais un petit peu. Alors lui, que dalle. Voyons qu'on est vachement proche là d'un coup. Le bateau est à 150. On s'en rapproche doucement. Alors, 173. Ça pourrait être là-bas. Hein. Ça pourrait être là-bas. Ouais, je serais déjà en train de m'éloigner si c'était à droite, donc... Ouais, bah là, je sais pas. Hein. C'est parti, on verra bien. Moins de 150, ok. Ouais, ça a l'air d'être bien ce que j'ai mis. Hein. 99, ça correspond pas mal. Hein. Mais ça me dit rien parce que c'est en plein milieu de rien. D'accord. 30, ouais, on est en plein dessus. Hein. Aucun intérêt. Ah. Ah, je m'en éloigne. Donc ça serait là-dedans. 17, 14, voilà. C'est visiblement là. Bon, bah, du coup, en plein milieu de rien. Hein. Au milieu des arbres, de rien du tout là. Alors, une fois que nous aurons examiné ces données, nous pourrons localiser l'emplacement de notre prochain site de forage. Je suis sûr que nous solliciterons votre aide à nouveau. Ok. Bien, bien, bien. Alors, le soleil, il est de ce côté. J'arrive pas à voir de quel côté il est. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire une photo? Super, en plus il y a des herbes hautes absolument partout, c'est impeccable. Allez, une petite au cas où, je suis désolé. Faut que je sois sûr d'avoir une miniature, j'en ai fait 2-3 qui étaient pas folles. Ce sera pas beaucoup mieux, mais que j'ai quelque chose. Hop, voilà. On coupe le moteur, et sur ce, on quitte la vidéo ici.